Mon œuvre s'appelle Souvenirs d'enfance et pour moi c'est pas vraiment une œuvre, c'est plus un espace de réflexion. C'est un petit campement qui vous emmène au bout du monde avec peu de choses, avec une cuisine improvisée, avec des cajots qu'on ne regarde jamais d'habitude, avec un petit feu de camp que vous pouvez faire n'importe où et un auvent bricolé et partir à l'aventure comme ça. C'est une façon de réenchanter le quotidien. Comment raconter une vie pleine de joie avec de la débrouille au bout du monde. Après avoir passé de longs moments dans la publicité où j'ai fait vendre beaucoup de trop, j'avais envie de changer de vie et j'ai fait cette promotion du peu qui peut apporter beaucoup de bonheur si on s'attache à regarder les choses de notre quotidien avec bienveillance. Mon plat préféré, quand je ramasse des haricots dans mon jardin et que je les équeute et que je les fais cuire très légèrement avec un peu d'huile d'olive et de fleurs de sel. Moi, j'aime bien manger des légumes qui ressemblent à des légumes. Des dieux chinois, des dieux indiens, des dieux du monde arabe qui viennent peut-être manger mes haricots. Ça serait un partage de plats d'égal à égal.